Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit nous habite pleinement, habite nos demeures pleinement. Voilà, mon fils Adam Eliane est là présent. Tu es béni, tu es béni. Voilà, tu es béni. Que la grâce soit avec toi. Wow. Pendant que ce merveilleux cantique passe, soyons bénis. Voilà, ma fille Gloria Deepness est là, tu es bénie. Ma fille Kone est là, Deepness. Sois bénie, Shumwe Deepness est là, soyez bénie. La grâce soit avec vous. Voilà, vous nous prenez, cette émission s'appelle La profondeur du Réma. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message. La dernière fois, nous n'avons pas pu parler du message concernant le réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous allons le faire. Nous allons parler du réveil spirituel de la Côte d'Ivoire, du réveil spirituel du Congo. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, partagez, 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 partagez. Appuyez, share, partagez, invitez les personnes invitées. Que beaucoup de personnes se connectent. C'est un message important. Partagez. Appuyez, partagez et puis inviter des personnes, des amis, invitez-les à se connecter. Partagez, partagez, soyez bénis. Que la grâce soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce moment. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Commence ce temps, achève-le dans la gloire. Nous croyons, Seigneur, en ta main puissante. Qui opère, dispose Seigneur ton esprit pour prendre le contrôle, sature les ondes, partout dans les maisons, les domiciles Seigneur. Fais en sorte que ton esprit prenne le contrôle du Congo, de la Côte d'Ivoire, de nos cœurs. Nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Béni sois-tu pour ta main puissante dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, en tout cas Marie Faustine Deepness, tu es bénie, tu es bénie. Voilà, donc nous allons tout de suite passer à la parole de Dieu et nous allons échanger en quelques minutes et je crois que c'est un temps de bénédiction pour chacun de nous. Exode, nous allons partager la parole de Dieu. Deux paroles. Une première parole tirée de Exode. Exode chapitre 23, verset 14 jusqu'au verset 17. Exode 23, verset 14 au verset 17. Et puis le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Donc je lis la première parole tirée de Exode 23, versets 14 à 17. La Bible dit ceci: trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. C'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera pas les mains vides devant moi.
observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Voici la parole. La deuxième parole est tirée de Actes chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voici la parole de Dieu. Désiré Dipnes, tu es béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Alors, je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous donne, ce temps merveilleux que le Seigneur nous donne de passer ensemble tous les jeudis. Merci pour l'intercession en direction de la Côte d'Ivoire et du Congo. Dieu saura vous le rendre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette logique de... Excusez-moi. Dans cette logique de parler du réveil spirituel. Nous parlerons du réveil spirituel. Et ce réveil spirituel sur la Côte d'Ivoire et sur le Congo a besoin d'être compris, a besoin d'être compris dans la pensée, selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu que nous prions a une pédagogie. Il a une pédagogie. Et cette pédagogie divine est une pédagogie qui est inspirée des Écritures. Vous voyez? Et dans cette première parole, on nous parle de trois fêtes. Trois fêtes. La première fête, c'est la fête, n'est-ce pas, des pains sans levain. La deuxième fête, c'est la fête des prémices, donc c'est-à-dire la fête de la moisson. Et puis la troisième fête, c'est la fête des récoltes. Mais ces trois fêtes ont une signification particulière dans le monde spirituel. Ça traduit des événements très importants qu'il faut comprendre, n'est-ce pas Lydia? Alors, la première fête, c'est la fête des pains sans levain. Pendant cette fête, on ne doit pas manger le pain levé, c'est-à-dire on utilise le pain sans levain, le pain qui n'est pas enflé, qui n'est pas gonflé, qui n'enfle pas. Ce pain-là, il se présente tel qu'il est. Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, il parlait de l'hypocrisie. Et il parlait de l'enseignement des pharisiens. Les pharisiens se présentent, en tout cas différemment de ce qu'ils sont en vérité. Donc, leur aspect extérieur ne présente pas ce qu'ils sont en vérité. Donc, quand on parle du levain, n'est-ce pas, dans le pain ici, le levain ici représente ce qui fait que le pain est faux, se présente faussement. Il s'agit donc du mensonge, de l'hypocrisie. Par contre, quand on parle du pain sans levain, c'est ce qui se présente tel quel, c'est-à-dire la vérité. Donc, quand on parle de la fête des pains sans levain, il s'agit de la fête de la vérité, là où la vérité se manifeste. C'est là qu'on la présente comme étant la Pâque juive. La Pâque juive, vous entendez par Pâque, le mot Pâque, vous entendez passage. Passage, donc le peuple qui passe des ténèbres à la lumière. Le peuple
qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, n'est-ce pas? Est sorti des ténèbres pour arriver à la lumière. Vous vous rappelez que le peuple qui était en Égypte était oppressé dans les ténèbres, parce que les ténèbres, ici, c'est le monde des ténèbres, là où le diable exerce son autorité, et Satan était préfiguré par Pharaon, qui les tenait captifs. Donc, le fait de sortir de l'Égypte, c'est ce qu'on appelait la Pâque, au travers de la mer Rouge. Donc, le mot Pâque veut dire passage, le mot Pâque veut dire aussi boiter, veut dire passer au-dessus d'eux, mais veut aussi dire passage. Donc, le peuple a expérimenté la Pâque Pessa. Donc, ils sont sortis de l'Égypte des ténèbres pour arriver à la lumière où ils vont rencontrer le Seigneur. Et on dit que c'est dans ce mois-là que le peuple est sorti de l'Égypte comme les épis sortent du plein. Donc, on compare le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte aux épis qui sortent du plein. Vous savez, quand les épis sont dans le plein, les épis sont dans les ténèbres. N'est-ce pas, Nadège? Maintenant, ces épis qui sont dans les ténèbres vont sortir du plan comme le peuple sort de l'Égypte pour venir à la lumière. Donc, c'est un passage des ténèbres à la lumière comme un passage du plan, n'est-ce pas? L'épi qui passe de l'intérieur du plan à l'extérieur à la lumière. C'est exactement ça, cette image qu'il utilise pour parler, n'est-ce pas, de la Pâque juive. C'est important de comprendre ça parce que Jésus, lui, est comparable au bois vert. Il a dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Quand il parle de bois vert, il parlait de lui-même. Et donc, nous disons que l'Église est née, n'est-ce pas, du côté percé de Jésus. Elle est sortie de l'intérieur de Jésus vers l'extérieur. C'est ça, la naissance de l'intérieur vers l'extérieur. En tant que bois vert, l'Église va sortir du côté. L'Église représente ses fruits. La rappelons-nous, il a dit ceci. Le grain de blé tombé en terre, n'est-ce pas, s'il ne meurt, ne peut porter du fruit, s'il reste seul. Mais s'il tombe en terre, s'il meurt, c'est alors qu'il portera beaucoup de fruits. Quels sont ces beaucoup de fruits dont on parle là? Il s'agit de l'Église, n'est-ce pas, qui va sortir de ce arbre, de ce bois vert que Jésus est. Donc le fait que l'Église sorte de ce bois vert-là, comme cet épi qui sort avec beaucoup de fruits, c'est de ça qu'on parle hein, dans ce texte de Exode. Donc quand on parle de la Pâque juive, ça nous ramène en Égypte, bien entendu, mais ça nous ramène à la croix, la naissance de Jésus. Ici, on s'adresse donc aux cultivateurs, n'est-ce pas, à des personnes qui travaillent avec la jante, n'est-ce pas, végétale. Donc, pour comprendre le langage de l'émergence, de la sortie, n'est-ce pas, du peuple de Dieu qui était dans les ténèbres pour arriver à la lumière. Il parle ainsi, n'est-ce pas, de la naissance de l'Église. Il parle de la Pâque. Donc, ça, c'est la première fête, n'est-ce pas, c'est la fête de la Pâque, la fête du pain sans levain, c'est-à-dire la fête de la vérité. Pourquoi? Parce que à la croix, c'est là que la vérité est manifestée. Nous nous rappelons que ce centurion a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Ça, c'est la vérité. C'est là où, justement, la vérité est manifestée, de telle sorte que même les païens confessent qu'il est le Fils de Dieu. Donc, on peut voir la naissance de l'Église à la croix. Parce que Dieu va établir sa vérité à la croix. Tous les mensonges qui avaient eu lieu avant vont échouer parce que Christ va établir, n'est-ce pas, sa vérité qui est que Jésus-Christ est véritablement le Sauveur et le Seigneur de l'humanité à la croix. Et ce centurion lui-même va le confesser. Donc, faites. Pourquoi? Parce que nous devons être heureux. Heureux de savoir que le salut est venu sur la terre. C'est en ce sens qu'il doit avoir fait. Quelqu'un meurt, il souffre, son sang, n'est-ce pas, verse, son sang coule. Mais nous, nous devons être heureux. Pourquoi nous devons être heureux? Nous devons être heureux parce que c'est une bonne nouvelle de salut. Celui-ci est venu, n'est-ce pas, pour nous apporter le salut. C'est en ce sens qu'il y a la bonne nouvelle du salut à la croix. Donc, ça devient une fête. Une fête, la fête des pains sans levain. Donc, la fête de la vérité, on l'appelle la Pâque juive. Mais aussi, c'est une préfiguration de la Pâque, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance, donc à la croix. Ça, c'est la première fête. Et puis, la deuxième fête, on nous parle de la fête, n'est-ce pas, de la moisson. La fête de la moisson, c'est ce qu'on appelle la fête des prémices. Pourquoi? Parce que vous savez que quand les épis sont sortis, on ne peut pas les moissonner automatiquement. Il faut attendre un certain temps. Il faut attendre un certain temps que les épis puissent mûrir. À partir du moment où les épis sont devenus mûrs, maintenant on peut les cueillir. On peut les cueillir. On peut maintenant les consommer. Et justement, cette période-là, ceux qui sont des cultivateurs, ceux qui sont des planteurs le savent. Par exemple, pour le café,
On sait que si on a planté le café, que ça a commencé à sortir, les épis sont sortis, du moins les cerises sont sorties, on sait au bout de combien de temps on peut, n'est-ce pas, cueillir. Ceux qui sont par exemple, qui font la plantation de maïs, ils savent que quand on a planté au bout d'un certain moment, quand les premiers épis sortent, on ne peut pas consommer. Il faut attendre au bout d'un certain moment que les épis soient matures. À partir de ce moment-là, on peut maintenant les moissonner. Donc la moisson consiste à quoi? La moisson consiste à venir à autant opportun, n'est-ce pas, pour essayer de couper, n'est-ce pas, les fruits qui sont mûrs. La moisson consiste à couper les fruits mûrs. La moisson consiste à couper les fruits mûrs, rappelle. Donc, à partir du moment où les épis sont sortis, on connaît exactement, n'est-ce pas, la période de la moisson. Pour ceux qui sont cultivateurs, ils peuvent savoir que des épis à la moisson, ça peut faire par exemple 6 mois en fonction de l'arbre qui est en face d'eux. Ils savent. Donc, la moisson est arrêtée en fonction de la révélation, de la sortie, de la manifestation des épis. Vous voyez, des épis. Donc, la sortie des épis détermine automatiquement la moisson. Donc, il y a un rapport entre la sortie des épis, qui ici est appelée la Pâque juive, et la moisson. Ouais. Donc, on parle de fête. Donc, la sortie des épis, c'est la fête. La sortie de, n'est-ce pas, la moisson, c'est aussi une fête. Donc, on parle de ces deux fêtes-là. Et la fête de la moisson, c'est ce qu'on appelle la fête des prémices. Pourquoi? Parce que les premiers fruits, dans les principes de Dieu, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Lorsque tu travailles, ton premier salaire, tu ne dois pas l'utiliser, ça appartient à Dieu. Tu donnes à un homme de Dieu, il doit prier pour toi. Lorsque tu as des enfants, le premier enfant ne t'appartient pas. Dieu me donnera la grâce de parler de ces choses. Tu ne dois pas le toucher, tu dois le consacrer à Dieu. C'est comme ça que Jésus allait être consacré, n'est-ce pas, dans le temple. Et Simeon est venu prophétiser sur la mère et l'enfant. Parce que tout ce qui est premier doit appartenir à Dieu. C'est pour ça qu'Abraham va aussi donner Isaac. N'est-ce pas, qui est le premier né d'Abraham, il doit le sacrifier sur la montagne à Dieu. Donc, la fête, n'est-ce pas, des épis. Lorsque les épis sortent, lorsque les épis vont devenir matures, il faut maintenant qu'on coupe ça. C'est ce qu'on appelle la moisson. Et maintenant, il y a une autre fête. La dernière fête, c'est la fête de la récolte. La récolte consiste, n'est-ce pas, à rassembler tout ce qu'on a moissonné, c'est-à-dire tout ce qu'on a coupé, n'est-ce pas, tout ce qu'on a coupé qui est tombé. Maintenant, la moisson, la récolte consiste à les rassembler, à trier, à enlever les mauvais grains, hein, les mauvais épis, et puis maintenant garder le reste qui est sain dans le grenier. Tout ça a un sens. Tout ça a un sens. Parce que si vous allez dans Matthieu chapitre 13, vous allez voir que Jésus en parle. Dans la parabole de l'ivraie, les serviteurs sont venus, ils ont demandé à ce qu'on arrache la mauvaise semence, c'est-à-dire l'ivraie. Jésus a dit non, attendez, ce n'est pas encore le temps. N'est-ce pas? Ce n'est pas encore le temps de la moisson. Il faut attendre jusqu'à ce que le temps de la moisson arrive, qu'on coupe. Mais alors, aussi le temps de la récolte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va rassembler les bons grains, les mettre dans le grenier, et les mauvais grains, les mettre, n'est-ce pas, dans le feu et brûler. Donc, il parlait ainsi du jugement. De ceux qui sont mauvais, qu'on va trier, n'est-ce pas? Qu'on va trier pour aller en enfer, pour les brûler dans le feu de l'enfer. Et ceux qui sont bons, la bonne semence, les justes, ceux qu'on va amagasiner dans son grenier qu'il appelle le tabernacle éternel, qu'il appelle le paradis. Il a donné déjà cette image. Donc quand il parle de moisson et quand il parle de récolte, il s'agit de certains éléments, n'est-ce pas, de la dispensation en matière de salut. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc la première fête, donc la fête de la Pâque, La fête des épis, ou la fête des pains sans levain, la fête des azimes, au mois des azimes. Donc ça correspond à la Pâque juive où l'église va naître du côté percé de Jésus. Et puis maintenant, à quoi correspond la fête des prémices, ou la fête, n'est-ce pas, de la récolte? La fête de la récolte correspond à quoi? Ça correspond en fait à la moisson, la première moisson qui a été faite à la chambre haute, donc à la Pentecôte. Je vous avais dit que lorsque les épis sortent du côté du plan, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé la Pâque juive, il faut attendre un temps au bout duquel les épis vont devenir matures. Et à quel moment les épis sont matures, vous allez voir, c'est là où l'énergie est maximale. Parce que en fait, pourquoi on consomme un fruit?
Pourquoi on consomme un fruit? On consomme un fruit, en fait, pour pouvoir avoir de l'énergie du fruit. Ce qui intéresse, en fait, c'est l'énergie dans le fruit. Vous savez, par exemple, quand on fait le sérum, pour ceux qui sont dans le domaine médical, quand quelqu'un est malade, on prend le sérum, on met. Dans le sérum, on trouve quoi? Du glucose. Mais le glucose, on peut le prendre où? On peut le prendre dans les glucides. On peut le prendre, par exemple, dans l'igname, on peut le prendre dans la banane, etc. Mais ce n'est pas tellement tous ces éléments de glucides-là qui nous intéressent, mais c'est le glucose qui est dedans là. Pourquoi ça? C'est le glucose qui nous intéresse parce que c'est ça qui envoie l'énergie. Ouais. Donc, en fait, dans un aliment, ce qui intéresse, c'est l'énergie qu'il y a dedans. Le goût, c'est un agrément, c'est vrai, mais ce n'est pas tellement le goût qui intéresse Dieu. Quand Dieu donne un aliment, ce n'est pas tellement le goût qui intéresse. C'est plutôt l'énergie. Ouais. Parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas agréables au palais, mais qui sont, d'accord, qui apportent beaucoup d'énergie. Par exemple, le citron, il n'est pas agréable au palais, le citron. Il n'est pas agréable. Il y a des gens qui n'aiment pas boire le citron, mais il y a de l'acide citrique dedans. L'acide citrique est un élément qui compose certains organes, n'est-ce pas, du corps. Donc, c'est l'acide citrique qui est dedans qui est intéressant. Il y a certains autres éléments, beaucoup d'autres choses. Donc, ce n'est pas tellement le goût qui intéresse Dieu dans un aliment. En fait, c'est l'énergie que cela va apporter. Je vais expliquer un peu pour qu'on comprenne. Quand tu manges un aliment, tu reçois l'énergie. L'énergie, c'est à quoi? L'énergie te donne, n'est-ce pas, de pouvoir entretenir la vie, ta vie, parce que tu as besoin de la vie. Ça te donne de la force. Là, on parle d'énergie, on parle de force, n'est-ce pas? S'il y a force, il y a travail. S'il y a travail, il y a puissance. S'il y a puissance, il y a énergie. Ces quatre thèmes-là sont rattachés. Vous voyez? C'est parce qu'il y a force qu'il va avoir, n'est-ce pas? Il va avoir travail. Lorsque la force se déplace, hein, on apprend ça en science. Lorsqu'une force se déplace sur une certaine distance, on dit qu'il y a travail. Ça travaille. Lorsque ça se déplace dans le temps, on définit certaines vitesses, on parlera de la puissance, on parlera de l'énergie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, vous voyez, donc, ce qui est intéressant dans un aliment, ce n'est pas tellement, n'est-ce pas, les choses qui sont autour, la pulpe et toutes ces choses, mais ce sont les vitamines qu'il y a dedans, c'est l'énergie. Tout ça, c'est l'énergie que ça libère, en fait, parce que l'homme en a besoin. Pour vivre, l'homme en a besoin pour assurer ses fonctions métaboliques. Par exemple, transpirer a besoin de l'énergie. Vous comprenez? Transpirer a besoin de l'énergie. Assumer, par exemple, les déplacements, ça a besoin de l'énergie. Réparer les cellules qui sont endommagées, on a besoin d'énergie. Donc, toutes ces choses-là, quand pour ses besoins énergétiques, on utilise les fruits, les aliments. Vous comprenez? Donc, c'est dans le but de l'énergie. Alors, là où on parle d'énergie, on parle de puissance. On parle de puissance, on parle de travail, on parle de force. Donc, on a besoin de force et on a besoin de puissance, on a besoin d'énergie. Voici ces éléments, c'est pour ça qu'on compose, qu'on consomme un aliment. Donc, en somme, que va-t-il se passer? Lorsque nous, l'Église, nous sommes nés, nous étions nés à la croix, nous étions immatures. Donc, on n'était pas bon à la consommation. On n'était pas bon à la consommation. Vous savez, un passage m'a marqué là, dans la Bible. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté de la parole de Dieu afin que vous croissiez pour le salut. Désirez comme des nouveau-nés, le lait non frélaté de la parole de Dieu afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, vous comprenez ça? Maintenant regardez, qui est Jésus-Christ? Vous allez me comprendre tout de suite. Peut-être que vous ne me suivez pas encore, vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, vous allez me comprendre à la fin. Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est le pain. Il a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc, en mangeant la chair, en buvant le sang, on a la vie éternelle. Mais Jésus-Christ, il est le pain, il est aussi le fruit. Car Élisabeth avait dit ceci, Marie, tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. Qui était le fruit? Jésus. Donc, Jésus se présente comme un fruit. Oh, Makayaban, là-bas. Donc, si Jésus est un fruit, alors que 1 Pierre 2, 2 dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, donc on peut le goûter sous la forme du pain, on peut boire sous la forme du sang. Donc, en fait, Jésus se présente comme un fruit. Alors, si c'est un fruit, c'est qu'il y a une pulpe quelque part et il y a un jus quelque part de ce fruit-là. Que représente le jus de ce fruit qu'on appelle Jésus? Le jus de fruit, du fruit qu'on appelle Jésus, c'est ça sur son sang. Le jus qui est dans ce fruit-là, c'est le sang de Jésus.
Et la pulpe là, c'est sa chair. Sa chair représente la pulpe du fruit. Et le sang de Jésus représente le jus de son fruit, du fruit qu'il est. Donc lorsqu'on vient goûter le Seigneur, lorsqu'on le goûte, n'est-ce pas? Lorsqu'on le goûte, n'est-ce pas? On peut recevoir cela, se rendre compte que ce fruit est bon. Mais on peut aussi le manger. Qu'avais-je dit la dernière fois? J'ai dit goûter à un sens. Manger aussi a un sens dans la Bible. Goûter, c'est quoi? C'est exposer, n'est-ce pas, à l'organe de la vue, notamment l'œil, notamment l'oreille, notamment le nez, notamment le palais, n'est-ce pas, notamment le toucher, les sens. Donc, en fait, goûter, c'est quoi? C'est exposer une boisson ou un aliment, n'est-ce pas, à un organe, dans le but de discerner ce que l'élément est, l'organe est, l'aliment est, ou bien la boisson est, son origine, sa texture, sa qualité, etc. C'est ça goûter. Par exemple, lorsque je regarde quelque chose, dans le but de savoir ce que la chose est, je suis en train de goûter. Pourquoi? Parce que l'organe de la vue me permet de discerner. C'est ce que Job a dit dans Job 34. Job 34 dit, par les oreilles, on peut discerner, tout comme par la langue, on discerne. Donc, goûter, c'est chercher à discerner. Quand vous prenez du vin, par exemple, et vous goûtez le vin, c'est dans le but de savoir, ce vin est bon. D'où vient-il? C'est un vin cuit? Non, c'est un vin rosé? Non, c'est un vin rouge? C'est un vin blanc? C'est un vin de l'Alsace? Etc. Vous cherchez à discerner. Goûter, c'est discerner. C'est-à-dire, chercher, c'est exposer à l'organe de la vue, notamment à l'organe du sens, à un organe, n'est-ce pas, de sens, notamment ici les papilles gustatives qui sont au niveau de la bouche, dans le but de chercher à savoir ce que c'est. C'est ça qu'on appelle discerner. Goûter aussi, ça peut être avec les yeux. Quand par exemple on regarde dans le but de chercher à savoir, avec l'œil, on peut discerner. Donc, on peut goûter avec l'œil. On peut goûter avec la langue. On peut goûter avec les oreilles. Je parle un langage spirituel, si vous me comprenez. On peut goûter avec les oreilles. Lorsqu'on parle de quelque chose qu'on cherche à savoir, quelqu'un parle dans une maison et puis tu es dehors, tu n'entends pas bien ce qu'ils sont en train de dire. Quand tu rapproches, tu attires l'oreille là-bas et tu cherches à discerner ce qu'ils disent, tu es en train de goûter. Parce que c'est exactement... Goûter n'est pas seulement avec le palais. On peut goûter avec les oreilles. On peut goûter avec l'œil. On peut goûter avec la langue. On peut goûter avec les narines. Par exemple, une odeur. Tu veux chercher à savoir, c'est quelle odeur? C'est un parfum? C'est quel parfum? Quand tu sens une odeur dans le but de chercher à discerner ce que c'est, quelle est l'odeur qui est en présence, tu es en train de discerner, donc tu es en train de goûter. Mais aussi, on peut toucher. Lorsque Isaac était en face de Jacob, qui s'était habillé en peau d'Ésaü, mais qui avait la voix de Jacob. Il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. En le touchant, il cherchait à savoir qui c'était. Est-ce que c'était vraiment Ésaü? Donc, chercher à savoir, à percevoir une vérité par un moyen sensoriel, c'est ça qu'on appelle discerner. C'est ça qu'on appelle goûter. Goûter, en fait, c'est chercher à percevoir une vérité en utilisant un moyen sensoriel, en utilisant un sens. Pour chercher à discerner une vérité, c'est ce qu'on appelle goûter. Donc, en somme, lorsque je commence par utiliser un organe, ça peut être par exemple un sens, ça peut être un sens par exemple, lorsque j'utilise cet organe-là, dans le but de chercher à discerner ce que c'est, je suis en train de goûter, amen. C'est pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque je cherche, n'est-ce pas, à goûter quelque chose par l'organe de la vue, c'est un discernement. Lorsque je cherche aussi à écouter, vous voyez, quelque chose, je suis en train de discerner. Tout ce que je vais faire dans le but de percevoir une vérité, n'est-ce pas, me donne de discerner. Voilà. Donc, c'est important de comprendre. On dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, donc à partir de ce moment où vous goûtez que Jésus-Christ est bon, vous êtes en train de discerner en fait. Donc, ce discernement est quoi? Ce discernement est un élément majeur qui vous permet, n'est-ce pas, de savoir ce que vous êtes en train de faire. Percevoir une vérité.
C'est cette vérité-là, n'est-ce pas? Cette vérité fondamentale, quand vous accédez à ça, on dit vous avez goûté. Manger, c'est quoi? Manger maintenant, par contre, manger, c'est en fait essayer de retirer la substance, l'énergie qui se trouve, la force qui se trouve dans un aliment, dans le but d'être, n'est-ce pas, transformé, d'avoir la vie modifiée. Quand je mange, par exemple, un aliment, je ne le goûte pas, je le mange. Ça veut dire que l'aliment tombe dans mon estomac et au niveau de l'estomac, l'aliment va maintenant passer par le sang. Quand l'aliment va passer par le sang, cet aliment-là va maintenant modifier ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet aliment va modifier ma vie. Donc, lorsque je mange, l'aliment libère de l'énergie dans le sang et ça modifie ma vie. Par contre, quand je goûte, il n'y a pas d'énergie qui est transmise. Je répète, quand je goûte, l'énergie n'est pas transmise. Mais quand je mange, l'énergie est transmise. Et donc, ça peut modifier ma vie. Donc, en somme, manger, c'est modifier la vie d'une personne. Donc, c'est libérer une force dans un aliment, dans la vie d'une personne, et modifier la vie de la personne. C'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un peut manger, par exemple, du sucre. Le sucre va libérer de l'énergie à cause du glucose qu'il y a. Et cette énergie va modifier la vie de la personne de telle sorte que la personne qui n'était pas diabétique, demain, à force de manger du sucre, peut devenir diabétique. Ça peut lui donner la force, ça peut lui permettre de récupérer après, par exemple, un effort. Quelqu'un, par exemple, prend de l'huile, consomme de l'huile, l'huile va libérer une certaine énergie parce qu'il y a des lipides à l'intérieur. Il y aura une sorte d'énergie qui sera libérée. Et cette énergie qui sera libérée dans le corps de la personne va avoir pour objectif de modifier en termes de calories, n'est-ce pas, la personne qui peut demain commencer à avoir des graisses et développer une hypertension artérielle. Donc, on modifie ainsi sa vie. Donc, lorsque je goûte, ce que je goûte ne modifie pas ma vie. L'objectif du goûter, c'est chercher à discerner l'aliment que je goûte. Mais l'objectif de manger, c'est modifier ma vie. Halabang, elle est beau chat. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me comprenez bien? Si vous me comprenez bien, dites nous te comprenons. Nous te comprenons. Écrivez nous te suivons. Maintenant, parce que je suis encore dans mon message, je vais entrer dans mon message. Écoutez bien. Ce que je suis en train de raconter est très important. Maintenant, à cette phase-là, si vous avez compris ça, vous avez compris le reste. Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'un jour, Jésus passait quelque part. Et puis, il y avait une femme qui saignait depuis 12 ans. Et cette femme a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc, ma vie sera modifiée puisque je perdais du sang. Je vais arrêter de perdre du sang. J'étais malade, je serai guéri. Donc, ma vie sera modifiée. Autrement dit, cette femme dit, si je puis toucher son vêtement, Dieu va modifier, n'est-ce pas, ma vie. Va modifier ma vie. Et la Bible dit, lorsqu'elle allait toucher le vêtement, Jésus a dit quelque chose. Une force est sortie de moi. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Rappelez-vous, j'avais dit que Jésus est un fruit. J'ai dit, Jésus est un fruit. Il est le fruit de la vie. Parce qu'il est la vie, il est le fruit de la vie. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, il y avait deux fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était un fruit, le bien et le mal. L'arbre de la vie éternelle. Car la Bible a dit, le jour où vous mangez de ce fruit-là, n'est-ce pas, vous mourrez concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible nous dit, lorsque l'homme et la femme avaient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a mis des chérubins, n'est-ce pas, Genèse chapitre 3, verset 20, il a mis des chérubins autour du jardin pour ne pas que l'homme entre dans le jardin qui cueille le fruit de la vie, qui mange et qui vive éternellement. Ça veut dire que le fruit de la vie donnait la vie éternelle. Or, il n'y a pas deux fruits qui sont capables de donner la vie éternelle. N'est-ce pas? Jean 17, verset 1 et suivant. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ce qui donne la vie éternelle, c'est le fait de consommer, de manger Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comme il n'y en a pas deux, ça veut dire que le fruit de la vie dans le jardin n'était rien d'autre que le Christ. Vous avez compris que le fruit
qui était dans le jardin qu'on appelait le fruit de la vie, l'arbre de la vie qui produisait le fruit de la vie, n'était rien d'autre que le Christ. Car c'est le seul fruit qu'on mange et on a la vie éternelle. Il n'y a pas de fruit. Donc en fait, lorsque cette femme est venue, elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. L'ayant fait, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Pourquoi? C'est exactement ce qui se passe. Quand on consomme un fruit, la force sort du fruit pour modifier notre vie. Ça veut dire quoi? En fait, que cette femme avait mangé le fruit. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Cette femme avait mangé le fruit. Le langage de manger, en fait, c'est faire un transfert d'énergie du fruit vers la personne pour modifier la vie de la personne. J'avais dit que c'est pas tellement dans le manger, c'est pas tellement la pulpe et toutes ces choses-là, le fruit de façon physique est intéressant. Mais c'est l'énergie qui sort du fruit. C'est pour ça que, par exemple, on peut donner un sérum, un glucosé. On ne va pas le prendre, par exemple, des glucides pour donner à un malade. Mais on prend dedans la fraction énergétique, c'est-à-dire le glucose. On retire, on met dans un ballon et on met ça dans le sang. Mais c'est le même objectif. On transfère l'énergie, n'est-ce pas? Plutôt que d'aller manger beaucoup de tonnes d'ignames ou manger beaucoup de tonnes de bananes, on prend le glucose, on prend l'énergie directement et puis on l'injecte dans ton sang. C'est comme si tu avais mangé. C'est la même chose. L'objectif, c'est de recevoir de l'énergie. Donc cette femme, elle a reçu l'énergie, elle a reçu la force. Parce que là où il y a la force en mouvement, on parle d'un travail, on parle d'une, dans le temps, on parle d'une puissance, on parle de l'énergie. Donc cette femme a reçu une énergie. Et cette femme a dit, je suis guérie. Ça veut dire qu'elle venait de manger. Ça la Bible dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, goûter c'est discerner pour voir qu'il est bon. Maintenant, manger c'est consommer pour que ça affecte notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc manger, c'est consommer pour recevoir, n'est-ce pas, un impact dans notre vie. Quelqu'un était malade, il est guéri après. Quelqu'un était oppressé, il est libéré après. Quelqu'un était pauvre, il devient riche. Donc manger, c'est en fait permettre à l'énergie d'être libérée en nous, n'est-ce pas, pour modifier notre vie. Donc lorsque on parle de la fête des épis, les épis qui sont sortis, c'est l'église. Nous sommes des fruits. Jésus a dit, le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, ne peut porter du fruit. Donc nous sommes des fruits. Nous, église, nous sommes des fruits. Dis à ton voisin, tu es un fruit. Alléluia. Jésus est un fruit, tu es un fruit, moi je suis un fruit, car nous sommes à son image exactement. Donc quand on parle de la sortie de l'église du côté percé de Jésus, il s'agit de la sortie des fruits, de plusieurs fruits. Mais ces fruits sont immatures. Et comme ces fruits sont immatures, il faut leur donner le temps de devenir matures. Mais pour que ces fruits deviennent matures, il faut de l'énergie qui entre dans ces fruits-là. C'est quand ces énergies, l'énergie entre dans les fruits que les fruits deviennent matures. Regardez par le principe de la photosynthèse. La photosynthèse est en fait un principe par lequel, par la lumière, par les photons, une énergie s'accumule, n'est-ce pas, dans les feuilles, dans les fruits, et les fruits arrivent à leur stade de maturation. Donc, l'énergie qui vient, écoutez-moi bien, l'énergie qui vient dans le fruit pour qu'il soit mature vient de la lumière, par la photo, c'est lumière, photosynthèse. C'est une synthèse qui se fait à partir des photons, donc la lumière. Donc c'est la lumière qui apporte cette énergie pour que le fruit amorce son processus de maturation. Donc il va se trouver que, écoutez-moi très bien, lorsque l'église est née à la croix, donc il y avait plusieurs fruits mais qui étaient immatures, c'est pour ça qu'on parle de la fête des épis. Ces épis sont sortis à la croix mais n'étaient pas matures. Il fallait attendre la période où ces épis qui n'avaient pas été subi leur processus de maturation reçoivent l'énergie. Cette énergie vient de la lumière, je l'ai dit par le principe de la photosynthèse. Cette énergie vient de la lumière et c'est cette énergie qui vient de la lumière dans ces fruits qui va permettre aux fruits de devenir matures pour qu'on puisse les cueillir. Or, toute personne qui plante sait au bout de combien de temps les épis qui sont immatures deviennent matures. Comme Dieu est le semeur, rappelez-vous que dans la parabole du semeur, il dit le semeur est venu s'aimer. Dieu est un semeur. Donc, Dieu va faire naître l'église à la croix du côté percé de Jésus. Ce sont les épis. Mais alors, la période au bout de laquelle les épis seront matures, c'est cette période-là qu'on appelle le temps de la moisson. Et c'est ce qu'on appelle la fête de la moisson ou la fête des prémices. Pourquoi prémices? Parce que l'église qui était née
à la chambre haute, à la Pentecôte, était justement la première portée, la première moisson, donc prémisse. Tout ça, on appelle l'église primitive. C'est là qu'on va parler de l'idée de l'église primitive, de tout ce qu'on va moissonner à partir de la chambre haute. C'était la première moisson. La première moisson. Mais il fallait que cette église soit mature. Pour que l'église soit mature, il fallait recevoir donc l'énergie. Or, si on parle d'énergie, on parle de puissance. Donc, il fallait qu'ils reçoivent une puissance. Si on parle de puissance, on parle de force. C'est pour cela que Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit « Attendez jusqu'à ce que vous recevez une puissance d'en haut. » D'en haut, de qui? De Dieu le Père. Alors, la Bible nous dit que Dieu, il est le Père des Lumières. Jacques chapitre 1, verset 17. Dieu est le Père des Lumières. Jacques chapitre 1, verset 17. Il est le Père des Lumières. On dit tout don excellent. Tout cadeau parfait vient de Dieu, le Père des Lumières. Donc, d'en haut, il est le Père des Lumières. Il va faire descendre de la lumière dans cette énergie. Dans cette lumière, il y a de l'énergie, il y a de la puissance, il y a de la force qui descend dans les fruits qui étaient à la chambre haute, à la Pentecôte, pour qu'ils soient matures. Tant que le fruit n'est pas mature, on ne peut pas le récolter. Il n'est pas utile pour le monde. Parce que le monde a besoin de goûter. De la même manière que nous avons besoin de goûter Jésus-Christ, le monde a besoin de nous goûter. Le monde a besoin de nous. C'est pour ça que la Bible nous dit, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Tu ne peux pas te manifester en tant que fruit tant que tu n'as pas reçu l'énergie maximale. Tu n'as pas reçu la puissance maximale. Tu n'as pas reçu la force maximale. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas utile? En dehors du Saint-Esprit, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu la dose maximale d'énergie. La Bible dit, les parents ont mangé les fruits verts, ce sont les enfants qui ont mal au ventre. Lorsqu'on consomme des fruits qui sont immatures, on a toujours mal au ventre. Le monde entier attend avec un ardent désir de nous consommer. Si on peut manger Jésus, c'est que toi aussi on peut te manger. C'est-à-dire, en somme, l'énergie qui est en toi, la puissance qui est en toi, la force qui est en toi, a besoin de modifier la vie de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Une force a besoin de sortir de toi pour guérir les malades, pour libérer les personnes, pour délivrer les opprimés, délivrer les captifs, libérer les opprimés, guérir les malades, sauver les personnes, faire prospérer les personnes parce que tu es un fruit. En tant que fruit, tu as besoin de devenir mûr, mais tu ne peux pas devenir mûr. Tu ne peux pas avoir le stade de maturité tant que tu n'as pas reçu l'énergie. Or, l'énergie viendra de la lumière. Qui est la lumière? Dieu, le Père des Lumières. C'est pour cela qu'on a besoin de faire l'expérience de la chambre haute, l'expérience de la Pentecôte. Cette expérience nous donne de recevoir l'énergie, de recevoir la puissance, de recevoir quoi? La force qui vient de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, attendez. Il a donné l'instruction à Jésus qui lui a dit, attendez à la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, tant que l'Esprit de lumière ne descend pas, tant que la force ne descend pas, vous recevrez une force. Tant que la force ne vient pas, tant que la puissance ne vient pas, tant que l'énergie ne vient pas, vous ne serez pas des fruits matures. Et si vous n'êtes pas des fruits matures, les gens qui vont vous consommer auront mal au ventre. Bien-aimés, on a besoin de recevoir cette énergie-là, cette puissance, cette force. Vous savez, l'église n'est pas forte tant qu'elle n'a pas fait l'expérience de cette Pentecôte. Tant qu'elle n'a pas fait l'expérience de cette puissance, elle ne peut pas être forte. Elle a donc besoin de cette énergie. Oh my God! C'est pour cela que, à la chambre haute, il y avait des fruits. C'était les premiers fruits qui étaient là, mais qui avaient besoin de maturation. Cette maturation allait venir d'où? De la puissance d'en haut, de la force d'en haut, de l'énergie d'en haut. Waouh! Écoutez-moi bien ce passage de Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbes 18, verset 10 dit ceci. Cette parole est puissante. Elle dit ceci. Elle dit, la parole de Dieu est une tour d'énergie. Proverbes chapitre 18, verset 10 dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte, une tour puissante, une tour d'énergie dans d'autres versions. Le juste y accourt et se trouve hors d'atteinte. Le nom de Dieu, mais le nom de Dieu est une tour forte. Oh, Apocalypse chapitre 19, verset 13, la Bible dit le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une tour d'énergie, est une tour de puissance, est une tour de force. Donc ouais,
La parole de Dieu est une tour de force, est une tour de puissance. Il y a une puissance dedans. La parole de Dieu, c'est pour ça que la Bible nous dit, vous recevez une puissance. Le mot qui est utilisé dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est dunamis. Dunamis, c'est quoi? C'est la, comme la dynamite, comme la dynamite. C'est-à-dire, c'est une force comparable à celle de la dynamite. Elle a besoin de feu. Lorsque le feu est appliqué à la parole qui est une dynamite, ça explose même les montagnes. My God. My God. La parole de Dieu peut être dans la main de quelqu'un, dans la bouche de quelqu'un. La personne peut utiliser la parole et peut ne pas produire d'effet tant qu'il n'y a pas de feu. Pour ça, Jésus a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Bien aimé, tu as la parole, mais ce qui te feu, c'est que tu n'as pas le feu. Tu as la dynamite. Aussi longtemps que la dynamite est dans ta main, ça ressemble à un bâton, mais qui est froid, qui est glacé. Mais tu as besoin du feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Lorsque le feu de Dieu est sur toi et que ce feu de Dieu est appliqué à la dynamite qui est la parole de Dieu, tu peux déplacer les montagnes par la foi. My God. Tu peux lever les paralytiques. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux ouvrir les portes, faire prospérer des gens par ton onction, par ton feu, à cause du feu qui touche la dynamite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Cette église était faible, sans l'expérience de la chambre haute, parce qu'elle n'avait pas encore reçu la force, elle n'avait pas encore reçu la puissance, elle n'avait pas encore reçu l'énergie. Il aurait fallu qu'elle fasse l'expérience de la chambre haute pour recevoir cette force, cette puissance, cette énergie, pour apporter un impact. Car dehors, le monde attendait de les consommer. Les gens attendent d'être modifiés. J'ai dit manger, c'est recevoir une énergie pour être transformé. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore là où elles sont, enchaînées par la sorcellerie, enchaînées par les démons, des personnes qui sont encore dans les ténèbres, qui n'arrivent pas à changer de vie, des personnes qui sont pauvres, sont enchaînées de toute forme d'oppression, qui ne peuvent pas changer de vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'énergie à leur transmettre. Nous n'avons pas de puissance à leur communiquer. Nous n'avons pas de force à leur communiquer. C'est pour ça que Paul l'a dit. Le résumé de tout ceci là, c'est quoi? C'est que le royaume des cieux ne consiste pas en vaines paroles, mais en démonstration de force et de puissance. Il y a un moment où l'église a commencé à trop parler. Mais les chrétiens ne voient pas parce qu'on parle trop, mais on ne voit pas. On parle trop, mais on démontre peu. C'est pour ça que les gens ne se convertissent pas. Mais le monde a besoin de fruits. Le monde a besoin de fruits. Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils, des fruits de Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez aller et porter du fruit qui demeure. Dieu veut des producteurs de preuves. Mais si tu ne peux pas, si tu ne peux pas porter du fruit, c'est parce que tu n'as pas reçu cette puissance quelque part. Tu n'as pas reçu cette force. Mais lorsque cette force tombera sur toi, tu vas changer la vie de personnes autour de toi. Tu toucheras des gens et leur vie sera transformée. Alors écoutez-moi bien. Cette église qui avait peur, parce que Pierre, lui-même, Simon Pierre avait peur, mais il a dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez cette force, cette puissance, cette énergie. Et à la chambre haute, il s'est produit quelque chose. Il s'est produit quelque chose. Quelque chose est descendu d'en haut, est descendu de Dieu qui est la lumière. Une force, une puissance est descendue comme dans la photosynthèse de la lumière. Descendue de la lumière, descendue des photons spirituels. Des photons spirituels. C'est descendu sur la chambre, ce qui était à la chambre haute. Et leur vie a été transformée. Par Calabane, les bouchons. Waouh! Lorsque la femme a touché Jésus, Jésus dit, une force est sortie de moi. Là, là-bas. C'est cette force qui est sortie de lui qui a guéri. Jésus dit ceci. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boit, s'il croit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ah, quand il parle de fleuve, il parle de puissance. Manqué, une puissance doit sortir de toi. C'est cette puissance qui est en toi, qui sort de toi, comme des fleuves. Vous savez, les fleuves, quand les fleuves passent, ça peut allumer les lumières. C'est pour ça qu'on fait les barrages sur les fleuves. Pourquoi on fait les barrages sur les fleuves? Et puis, quand on fait les barrages sur les fleuves, on utilise la force du passage du fleuve pour transformer ça en énergie, pour transformer ça en intensité, en tension. Et puis, paf, ça allume les lumières. Les gens sont dans les ténèbres. Ils ont besoin de recevoir la lumière. Mais tu as besoin d'être ce fleuve. Tu as besoin de voir ce fleuve jaillir de toi pour que ça allume la lumière des gens qui sont encore dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Pourquoi?
Parce que le fleuve ne jaillit pas de nous. C'est pour cela que la lumière n'arrive pas à s'allumer là où il y a les ténèbres. Le problème, donc, c'est le problème de la puissance. Et c'est pour cela que l'église ne doit pas combattre la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand les gens parlent de la puissance du Saint-Esprit dans les églises, et ceux qui ont l'esprit très traditionnel disent, on fait trop de bruit. On fait trop de bruit. Mais c'est ça, c'est pas la puissance. Vous savez, le démon, il ne cédera pas tant qu'il n'y a pas la puissance de Dieu manifestée, frère. Or, tu ne peux pas manifester cette puissance tant que l'église n'est pas réveillée. D'où la nécessité que l'église soit réveillée. Ça, c'était la jante végétale. Je parlerai maintenant de la jante animale. La jante animale. Vous savez que lorsque Jésus est mort à la croix, l'église est née. Et l'église se présente comme étant l'épouse du Christ. Donc l'épouse, c'est une femme. Quand on dit épouse, c'est une femme. Mais quand l'église est née, c'était un nouveau-né à la croix, c'était un nouveau-né. Tout ce qui naît est un nouveau-né. L'église était un nouveau-né de sexe féminin. Un bébé vient de naître, un nouveau-né qu'on appelle l'église de sexe féminin. Une église est née de sexe féminin. Maintenant, écoutez-moi très bien. Cette église est née lorsque la mère mourait. Cette église est née lorsque la mère mourait. Que s'est-il passé? La mère qui représente, représentée par Jésus, a dit ceci. Père, en tes mains, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon souffle. Et le souffle l'a quitté. Et il a rendu l'âme. Donc le bébé est né d'une mère qui a rendu l'âme. Donc le bébé est né, mais a connu des souffrances et était étouffé. Le bébé est né, mais inanimé. Parce que j'ai dit que ce qui démontre que le bébé est né, c'est le souffle. Tu commences à comprendre ce que je suis en train de dire. L'église est née à la croix, mais sans le souffle. Pourquoi? Parce que le souffle, c'est le Saint-Esprit qui devait venir à la Pentecôte. Comme le souffle n'était pas encore venu, le bébé est né, mais sans souffle. Donc c'était un bébé inanimé qui avait besoin d'être réanimé. Le bébé est né sans souffle. Donc l'église est née mais sans souffle. Parce que le souffle n'était pas là. Il fallait donc que le souffle vienne. Vous savez, quand un bébé est né sans souffle, on va le mettre dans une couveuse et on va essayer de réanimer. On va essayer de réanimer le bébé. On va essayer de réanimer le bébé, apporter du souffle pour que le bébé puisse répondre et vivre. Et c'est ce que Jésus a essayé de faire. Vous savez avant tout que Jésus était médecin. Jésus a dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Je sais que vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Jésus était médecin. Donc Jésus a essayé de réanimer le bébé qui était né. Car Jésus a dit quoi? Recevez le souffle. Il a essayé de souffler. Il a essayé de souffler. Mais il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas le réanimateur. La calambe, les beaux. Il était un médecin, mais tous les médecins ne sont pas des réanimateurs. Jésus lui-même, après sa résurrection, il a essayé de réanimer le bébé. Mais il ne pouvait pas. Il a essayé de souffler sur eux. Mais il ne pouvait pas réanimer le bébé. Il fallait un réanimateur. Et le réanimateur venait d'en haut, devait venir d'en haut. Le réanimateur, il vient avec le souffle. Le Saint-Esprit était le réanimateur. Vous savez, la preuve que le bébé était né inanimé, quand un bébé est né inanimé, il ne peut pas bouger. La preuve que le bébé est vivant, c'est qu'il bouge. Or, Jésus a dit, ne bougez pas, restez là, parce que vous êtes inanimé. Un bébé qui est inanimé ne bouge pas, restez là, jusqu'à ce que le réanimateur, le Saint-Esprit vienne avec le souffle pour souffler. Pour souffler. Vous savez, quand quelqu'un est étouffé, quand quelqu'un est inanimé, quelqu'un a fait un accident, il est tombé, puis il respire. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un bouche à bouche, non? C'est pas un bouche à bouche, on fait un bouche à bouche. On souffle dans sa bouche, en bouche à bouche, donc. La langue. Le premier signe de la réanimation, c'est de toucher la langue. Les narines. C'est les choses. Donc vous allez comprendre ce qui va se passer. C'est pour cela que Dieu va toucher la langue. Dieu dit,
Le Saint-Esprit, c'est le vent. Il vient avec le souffle. C'est pour ça la Pentecôte, vous allez entendre, vous avez entendu qu'il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent impétueux. Le vent du réanimateur. Le vent de celui qui vient secourir. Le service de secours. Le service de secours divin. Le réanimateur, le Saint-Esprit, devait venir. Mais fais un bouche à bouche dans la bouche. Donc touchez les langues. Langue de feu. Touchez la langue. My God. À partir de ce moment. Lorsque la langue a été touchée, vous savez, quand quelqu'un est entre la vie et la mort, dans le coma, bien il est inanimé, ou bien il est mort, quand on touche, on fait le bouche à bouche. Après maintenant, paf, vous allez voir que la personne va avoir les yeux qui vont s'ouvrir et va commencer à bouger. Donc les yeux qui s'ouvrent parlent de la vision. Écoutez-moi bien. La langue qui se délie parle de la parole. Ses sens vont commencer à fonctionner, va commencer à entendre, va commencer à voir, va commencer à sentir, va commencer à parler et va commencer à bouger dans le mouvement. Mais avant ça, avant la réanimation, l'église ne bougeait pas. Rappelez-vous qu'ils étaient là enfermés pendant l'octave de Pâques, pendant les 8 jours, n'est-ce pas, qui ont précédé. Ils étaient là quand Jésus est passé par le mur et puis il est venu, il a dit « recevez la paix ». Pourquoi? Ils avaient peur. Judas était mort. Ils étaient là. Ils étaient enfermés à cause de la persécution. Ils ne pouvaient plus bouger parce que le bébé était inanimé. Donc, celui qui est inanimé ne peut pas bouger. Mais à la chambre haute, lorsque le réanimateur, le Saint-Esprit est venu, le signe de la réanimation, c'est d'abord le souffle. Et quand il envoyait le souffle, vous savez, il y a un test qu'on appelle le test à l'azote. Souvent, ceux qui sont en médecine, on prend ça et puis on prend pour mettre dans les narines pour châtier pour que la personne puisse maintenant. Donc, la langue, les narines, c'est là. Quand Dieu voulait créer l'homme, il a soufflé dans les narines. Ça, c'est pour amener la vie. Mais aussi la langue, pour que la personne puisse le bouche à bouche, pour lui redonner la vie. Les yeux pour voir. Vous comprenez la prophétie de Joël. C'est pour ça que Joël dit, à la fin, il dit, en ces temps qui sont les derniers, je répandrai mon esprit, donc mon souffle, ma réanimation sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront la bouche. On prophétise à la langue. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Les visions, on voit avec les yeux. Les yeux s'ouvrent. Les prophètes, ils entendent. Les voyants, ils ont des visions, ils voient. Des songes. Donc, c'est l'éveil des sens, bien-aimés. C'est l'éveil des sens. Lorsque l'esprit de la Pentecôte arrive, ça va éveiller les sens. Bien-aimés. Deuxième raison. Première raison, c'était le bouche à bouche. Mais deuxième raison, pour laquelle Dieu touche la langue. Pourquoi la langue de feu? Pourquoi Dieu touche la langue? Allons dans Jacques, vous allez comprendre pourquoi je dis ceci. Jacques chapitre 3, à partir du verset 2. Je lis Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Il dit ceci. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et il dit, si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Et il dit, voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a, n'est-ce pas, de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jacques, avec beaucoup de sagesse? Il dit, le cheval, là, vous savez qu'il y a des chevaux qui font près de 300 kilos. Quand tu es sur le cheval, la meilleure façon de diriger le cheval, c'est pas essayer de diriger son corps. Si tu essaies de toucher le corps par tes jambes pour dire bouge, 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 le cheval ne pourra pas se déplacer. Mais si tu peux contrôler sa tête, mais mieux, si tu lui mets le mort, il fait quoi? Il appuie la langue. Le mort qu'on met, c'est un fer avec une sorte de lanière qu'on attrape. Mais ça comprime la langue. Quand ça comprime la langue et puis on tire à gauche, tout le corps va se déplacer. Écoute-moi bien. Celui qui contrôle la langue du cheval contrôle le corps du cheval. My God, I want to say it again. Je vais le dire encore. Celui qui contrôle la langue du cheval
il contrôle tout le corps. Donc Dieu, pour contrôler le corps du Christ, il va contrôler les langues. S'il contrôle les langues, il contrôle le corps. C'est parce que celui qui a fait l'expérience d'avoir la langue brûlée par le Saint-Esprit, son corps sera conduit par l'Esprit. My God, l'Esprit de Dieu. Dieu donc, pour contrôler le corps du Christ, avait besoin de contrôler les langues. Pour aussi réanimer le corps du Christ, avait besoin de réanimer, de faire bouche à bouche par le feu, le vent. Donc il y a le vent, il y a le feu qui descend. Et puis, il y a quoi? Il y a eu des tremblements de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre. Bien aimé, lorsque le réveil viendra, il y aura un tremblement de terre. Il ne peut pas avoir de réveil sans qu'il y ait de tremblement. Et tous ceux qui sont sur la terre là, ils vont savoir que quelque chose se passe. Ouais, l'église agit. C'est pour ça qu'il a dit que sans réveil, il y a agitation. Parce que tout ce que nous faisons dans l'église là, du Congo, de Côte d'Ivoire, ça s'appelle agitation. Ça n'impressionne pas les païens. Les païens ne bougent pas. Parce que ce n'est pas encore le temps du réveil. Quand le temps du réveil viendra, oh my God, prophète Geoffroy agit, n'est-ce pas? Quand le temps du réveil viendra, l'église ne sera plus dans les agitations. L'église va faire d'impact sur la terre. Quand il y a un tremblement de terre, quelqu'un est arrêté, quelle que soit la magnitude qui arrive, tu trembles. Le monde tremblera à cause de ce que l'église aura reçu. Mais si le monde ne tremble pas, c'est que l'église n'a encore rien reçu. Il n'y a pas encore l'esprit de la Pentecôte. C'est que des agitations. Quelqu'un s'élève avec son église, il a 1000 membres, il est satisfait, il pense que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas encore le réveil. Ce n'est pas encore le réveil. Quand le réveil arrive, il y aura un tremblement. C'est-à-dire tous ceux qui sont sur la surface du territoire vont savoir que quelqu'un... Ah, les gens sont bénis, mais qu'est-ce qui se passe à la chambre haute? Ah, il y a quelque chose. Qui leur avait dit? C'est le tremblement de terre. Qui l'avait dit? C'est ça. J'avais dit quoi? Les prémices, c'est l'occasion de rassembler tous les fruits. Quand Pierre a prêché, il y a eu plus de 3000 et 5000... De 3000 à 5000 convertis. Des gens s'étaient convertis. Vous savez, en dehors du réveil, tout ce qu'on fait là, ça ne porte pas trop. C'est pour cela qu'il faut le réveil. Le même Pierre là, il a essayé de faire des choses avant. Nous sommes heureux parce que les démons nous sont soumis. Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits au ciel. Je voyais Satan tomber tel un éclair. C'était à la croix que Satan devait tomber. Après ça, maintenant, il devait avoir, après la Pâque, il devait avoir la fête, n'est-ce pas, de la moisson, la fête des prémices. Et c'est là maintenant que Dieu va commencer à manifester sa gloire. Car les fruits, c'est la gloire. C'est pour ça qu'ils avaient dit qu'il n'y a pas de réveil, il y a éveil. Il n'y a pas de réveil, il y a éveil. Les gens sont éveillés. Ils sont éveillés parce qu'ils ont la parole. Ils ont l'esprit. Ils ont fait l'exploit individuel. Ils sont éveillés, mais ils ne sont pas réveillés. Parce que qui on réveille? Celui qui est mort, celui qui dort. Il faut le réveiller. Mais pour le réveiller, c'est quoi? Quand quelqu'un est couché dans les ténèbres, on allume la lumière. Il se réveille, il y a des signes du réveil. Mais ce n'est pas encore le réveil chez nous. Ce n'est que l'agitation. Il a dit la Côte d'Ivoire, c'est le réveil. Non, il n'y a pas de réveil. Vous savez, il n'y a pas de Pentecôte sans Pâque. C'est à partir de la Pâque, lorsque le sang coule, qu'il peut avoir les langues de feu. Tout ce que nous avons traversé en Côte d'Ivoire et au Congo, le sang des gens, le sang a coulé. Dieu a déjà arrêté le temps du réveil sur la Côte d'Ivoire. Dieu a déjà arrêté le temps du réveil sur le Congo. C'est simplement une question de temps. C'est déjà arrêté. Mais le réveil ne viendra pas s'il n'y a pas d'acteur de réveil. Écoutez-moi, le réveil ne viendra pas s'il n'y a pas d'acteur de réveil. Il faut qu'il y ait des personnes. Quand ce sont les gens qui étaient à la chambre haute, qui priaient. Quand bien même nous sommes dans la saison du réveil, tant qu'il n'y a pas d'acteurs, de personnes qui se mettent à la brèche pour prier pour le réveil ne vient pas quand même on est dans la saison. Qui vous a dit que quand c'est la saison de la moisson, automatiquement les fruits tombent? Les fruits ne tombent pas automatiquement, on va les cueillir. Même quand c'est la moisson, les fruits ne tombent pas, il faut aller les cueillir. C'est pour ça qu'on va les couper. Si ça tombe là, quand c'est pourri. Donc il y a une saison. Quand on arrive à la saison du réveil, il y a des acteurs, ce sont eux-là qui vont couper les fruits. Les pierres qui étaient à la chambre, c'était les acteurs. Mais regardez, la Bible nous dit quoi? Ils étaient tous unis. C'est pour ça que je parle de l'unité. Prophète Geoffroy J est en train de m'écouter. C'est pour ça que je parle d'unité. Il a bien compris le message. Vous voyez, l'unité est la condition pour laquelle le réveil vient sur une nation. Avec tout ce qui s'est passé, le sang qui a coulé, on a connu notre Pâque au Congo et en Côte d'Ivoire. On a déjà connu notre Pâque. Il y a eu des martyrs. Le sang a coulé. C'est un sacrifice. C'est un prix qui a payé. Qui crie à Dieu pour que Dieu fasse descendre ses anges.
Ce sont les anges qui vont descendre à cause de la moisson qui est née, de l'église qui est émergente, qui est née en Côte d'Ivoire. Cette église-là, qui a souffert le martyre et tout ce qui s'est passé là, c'est ça qui fait descendre. Quand j'avais dit la dernière fois, les anges, ce sont les moissonneurs. Donc, quand on parle de la fête de la moisson, il y a forcément des moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset quoi, verset 7, la Bible nous dit, Dieu fait de ses anges des vents. Donc, lorsque les anges viennent à cause de la moisson, tous ces anges qui descendent du ciel sur la Côte d'Ivoire, là, ils constituent un vent. En fait, ça s'appelle le vent de la Pentecôte. Quand on parle du vent de la Pentecôte, là, c'est constitué par tous les anges qui descendent à cause de la moisson, parce que c'est la fête de la moisson. Ce sont les moissonneurs, les anges. Donc, quand ils viennent en masse sur un pays, c'est ça qu'on appelle le vent du réveil. C'est-à-dire, Dieu envoie des légions d'anges, un vent qui descend. Vous savez que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Mais une flamme, elle a plus d'impact lorsqu'il y a le vent. Pour faire les feux de brousse, quand il y a le bois sec, ce sont les païens, ils sont pleins de bois sec, les gens qui n'ont pas encore la sève de l'esprit en eux. Mais il faut aller brûler ce bois sec, il faut faire le réveil. Mais tu vois que tu luttes, les choses ne prennent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de vent. Les anges ne sont pas encore venus à cause de la moisson. Donc si le vent des anges n'est pas encore venu, ce que tu fais, ça prend, mais c'est lent. Mais quand il y aura le vent du réveil, et bakahalaba, prophète Geoffroy, ton ministère, ça va prendre boum, ça va commencer à avancer. Dickness, ton ministère va prendre boum. J'ai dit, ton ministère va prendre, ça va commencer à avancer. Quel que soit ce que tu fais, c'est pour ça que la Bible nous dit, et ceux qui croiront au Seigneur seront sauvés. Les gens donneront leur vie au Seigneur en masse. C'est pour ça que nous devons prier pour que le réveil vienne. Car Dieu m'a montré que la saison du réveil en Côte d'Ivoire au Congo n'est pas loin. Mais le problème, ce sont les acteurs du réveil qui peuvent retarder. S'il n'y a pas d'acteurs de réveil, s'il n'y a pas de personnes qui se mettent à la brèche pour prier pour un nouveau réveil, le réveil peut tarder, quoique nous soyons déjà dans la saison. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de ce vent du réveil. Nous sommes presque dans la saison du réveil. Nous avons besoin du feu du réveil. Si le feu du réveil descend, et le vent du réveil, c'est-à-dire les anges, les moissonneurs descendent, ce feu-là sera propulsé très rapidement. Des gens vont donner leur vie. Tu n'auras pas à faire des efforts. Tu vas voir des rois, des patrons de banque, des patrons, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des hommes puissants qui vont donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le vent, quand tu allumes petite étincelle, pa boum, ça prend. Pa boum, ça prend. Mais les gens luttent, ils transpirent. Ça, c'est agitation. C'est pas réveil. Mais on dit dans les livres des Actes de l'Apôtre, on dit quoi? On dit tous étaient unis. Actes chapitre 1, verset 13. C'est ce qu'on dit. Ils étaient tous unis et puis priaient des mêmes cœurs. Regardez, on dit quand il fut entré, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était un coin où ils allaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, avec Marie, à Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, avec Marie, mère de Jésus, avec Marie, mère de Jésus, et ses frères. Maintenant, pourquoi les gens disent que dans l'église, les femmes ne prêchent pas? Pourquoi on dit que les femmes ne vont pas se mettre dans l'assemblée des hommes? On dit qu'ils étaient là tous, avec les femmes. On dit de commun accord. Est-ce qu'on a dit qu'ils étaient tous en train de prier divisés? Quand on dit commun accord là, c'est division. Vous voulez le réveil? C'est pour ça qu'elle dit la saison du réveil est presque arrivée. Mais si vous restez dans vos bêtises de division là, réveil là, c'est pas un réveil que vous allez avoir tout de suite. C'est l'agitation qui va continuer. Le sang des martyrs là, ça aura coulé en vain. Quand on parle d'unité, les gens ils pensent que c'est amusement. Quand on parle d'unité là, écoutez-moi, unité veut pas dire qu'il faut détruire ton église. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il faut quitter ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, je suis catholique, lui il est évangélique, on peut s'attraper les mains et puis prier. C'est ce que ça veut dire. Chacun n'est pas chez lui dans son église après. Mais prier ensemble ne doit pas nous déranger. C'est ça qu'on appelle unité. Parce que nous savons que nous avons le même père. Dans une famille, on a le même père. On sait qu'on peut se mettre ensemble prier. C'est le sang du père qui coule en nous qui fait que nous sommes frères. On doit se mettre ensemble prier. Même si on a des maisons différentes.
des maisons différentes. Prions sans prier. Ce ne sont pas de l'unité. Et le diable divise. Et des gens jouent à ce jeu-là. De dire ma doctrine est la meilleure. Les gens ne sont pas unis. Ils pensent, réveil de Côte d'Ivoire, quand les évangéliques vont prier, vous mentez. Vous, maman, il dit, vous mentez jusqu'à demain. Démontrez-moi dans la Bible, où c'est les évangéliques qui vont se réunir sur le pays. C'est un faux, vous mentez. Vous pensez, c'est quand les catholiques vont prier ensemble, réveil, vous mentez. On dit, c'est le corps qui est uni. Ils vont ensemble. Vous ne voulez pas entendre cette vérité. Moi, je vous dis ça. Divisez-vous. C'est agitation. Agitation. Oui. Il y a des gens, quand on dit dans l'évangile, ils ont choisi vent. Tout ce qu'on fait là, du vent. Dans l'évangile, la partie qui est le vent, ça les gens aiment. Division là, c'est le vent. C'est vanité, ça ne porte pas quelque chose. Il faut le vent de l'esprit. Le vrai vent. C'est le vent de l'unité. Le vent de l'unité a soufflé. Tous les pays, tous les endroits où il y a eu réveil, vous allez voir, ce n'était pas une affaire de division. Allez en Angleterre. Allez à Toronto, quand il y a eu le réveil et tout ça. En Colombie, tout ça. Allez-y, vous allez voir. Là où il y a division, le réveil a du mal. Ça, ils disent tous d'un commun accord, ils priaient. Comme ça, nous parlons de ces choses. Ça ne veut pas dire « deviens catholique », c'est pas ce que ça veut dire. Pourquoi les gens... Une soeur a donné un jeune témoignage. Elle dit ceci. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas dans l'église catholique? C'est son témoignage. Hein? Vous savez pourquoi Dieu n'est pas dans l'église catholique? On dit oui, on t'écoute. Elle dit Dieu n'est pas dans l'église catholique parce qu'un jour j'avais rêvé. Et puis Dieu m'a montré l'image du prêtre. Mais il avait un boubou très sale. Enfin, sa soutane était très sale. Donc comme sa soutane était très sale, Dieu me l'a montré et puis Dieu m'a dit, sors d'ici et je t'amènerai là où tu dois être. Et donc, après elle a fait un rêve, on l'a monté dans une église évangélique et puis elle est partie là-bas. Donc, c'est son témoignage. Et j'avais été invité par un homme de Dieu qui était évangélique et puis j'étais assis et puis elle donnait ce témoignage. Elle disait, voilà comment Dieu m'a envoyé dans cette église. Et donc, Dieu est ici. Là-bas, là, Dieu n'est pas. Bon, naturellement, chacun a son niveau de compréhension de Dieu. Donc, à la fin, le pasteur m'a demandé, « J'espère que tu n'as pas été brisé par ce qu'elle a dit. » J'ai dit, « Non, moi, mon esprit est trop élevé pour être brisé par ce genre de choses. » Les divisions de doctrine et tout ça, je sais que ceux qui s'adonnent à ce jeu de division, ce sont des enfants. Donc, ça, c'est un langage d'enfant, elle est en train de dire. Maintenant, je donne au pasteur un témoignage aussi. J'ai dit, « Un jour... » Je lui ai dit, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'un jour, il y a une sœur qui est venue rendre témoignage à l'église catholique. Elle disait qu'elle était dans une église évangélique. Et puis comme elle était dans l'église évangélique, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle a vu Dieu qui était assis sur son trône. Et puis Dieu lui pose la question. Le Père de Jésus, c'est qui? Et puis dans le rêve, elle dit, c'est le Père de Jésus. Elle dit, c'est Dieu. Et puis il dit, Dieu, c'est qui? Et puis elle dit, Dieu, c'est toi? Elle dit, ok. Donc le Père de Jésus, c'est Dieu. La Mère de Jésus, c'est qui? Et puis elle dit, la mère de Jésus c'est Marie. Ok. Maintenant, le père de Jésus et la mère de Marie là, quel est le rapport? Le père de Jésus et la mère de Marie, ils sont quoi? C'est des cousins, c'est des frères, c'est des amis, ils sont quoi? Elle dit, ah, non, ça doit être Marie et femme. Elle dit, aïe. Mais on dit, bon toi, ton papa s'appelle comment? Elle dit, mon papa s'appelle Albert. Ta maman s'appelle comment? Clémentine. Donc, toi tu es Esther. Donc, le père d'Esther c'est qui? Albert. La mère d'Esther, c'est qui? Clémentine. Donc, Albert et Clémentine sont quoi? Elle dit, mari et femme. Elle dit, bon, donc, si le père de Jésus, c'est Dieu, la mère de Jésus, c'est Marie. Donc, Marie et Dieu sont quoi? C'est son épouse. Aïe. Elle dit, c'est ce que Dieu lui a dit. Donc, c'est là, elle dit, donc, c'est que Dieu est dans l'église catholique. Elle a quitté, elle était évangélique, elle est devenue catholique. Maintenant, j'ai dit au pasteur, après lui avoir raconté cette histoire, je lui demande, donc Dieu se trouve où? Puisqu'il y a une qui a rêvé qui dit que elle était évangélique, elle était catholique, et puis Dieu lui a monté l'église évangélique après avoir fait des remontances aux prêtres et elle est devenue évangélique. Il y a une qui dit qu'elle était évangélique et puis Dieu lui a monté le chemin de l'église catholique, elle est partie. Si là où Dieu t'indique d'aller, là, c'est là où Dieu est, c'est que Dieu est dans les deux endroits. Vous convenez avec moi, non? Est-ce que j'ai mal parlé? Le pasteur m'a regardé, oui, j'ai dit, ouais.
Ça, c'est son expérience personnelle. Ça veut dire simplement que Dieu l'invite à aller être évangélique. Et l'autre, Dieu l'invite à être catholique. Ça veut dire Dieu est dans les deux endroits. C'est tout ce que ça veut dire. Ce ne sont pas tes rêves là. On dit Dieu dit quoi? Dieu dit dans sa parole, les apôtres prêchaient et le Saint-Esprit ajoutait des âmes à l'église. C'est pas ça? Les apôtres prêchaient et le Saint-Esprit ajoutait des âmes à l'église. C'est pas ça? Il ajoutait des âmes à l'église. Bon, si on dit il ajoutait des âmes à l'église, c'est que c'est le Saint-Esprit qui ajoute des âmes à l'église? Est-ce que c'est le pape qui peut ajouter des âmes? Mais vous ne voyez pas, il y a des gens même qui ne réfléchissent pas. Hein? Mais l'église catholique est là depuis combien d'années là? Des millénaires. L'église catholique existe depuis combien d'années? Des millénaires. Toutes les âmes qu'on a ajoutées. Puis l'église catholique est répandue partout dans le monde entier. Tu vas jusqu'à Jakarta. Tu vas jusqu'en Albanie. Partout. En Chine. En Hollande. Partout. Même dans les pays musulmans, il y a l'église catholique là. Donc c'est le pape qui ajoute les âmes. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir un peu que c'est le Saint-Esprit qui ajoute les âmes? Est-ce qu'un homme peut ajouter autant? Il y a comme les catholiques sont beaucoup. C'est l'œuvre de la chair. Bon, va faire ton église dans la chair. On va voir si tu vas avoir des membres comme ça. Regardez les bêtises comme ça. Mais tout le travail que les gens font chez les protestants, là, les changements de vie, les guérisons, les miracles, là, c'est un pasteur qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui ajoute les âmes à son église. Vos doctrines, là, c'est vos façons de voir les choses. C'est tout. C'est des débats d'enfants, en fait. Quand quelqu'un atteint un certain niveau de maturité, il y a des débats sur lesquels il ne vient plus. C'est les enfants qui sont tout en train de diviser. À Noël, papa a acheté des cadeaux pour donner aux enfants. Pourquoi ma poupée est bleue? Papa t'a acheté une poupée verte pour elle. Pourquoi mon poing est bleu? Pourquoi ma robe orange? Pourquoi non? Les différences, les combats de division, ça montre encore que les gens sont des enfants. Quand quelqu'un a grandi, quand quelqu'un a mûri dans les choses de Dieu, à la chambre haute, le truc c'est comment ils vont en venir à la persécution d'Hérode. Comment la puissance de Dieu va les investir, ils vont sauver les païens là. Les gens qui sont dans le fétiche, les gens qui jettent courue, les gens qui sont les diseurs de mauvaises aventures, tout cela les sauver. C'est la préoccupation des gens mûrs. Mais quand quelqu'un est tout en train de réagir, donc, ah, toi tu pries où? Toi tu crois quoi? C'est un enfant. Il n'a rien compris. Parce que le réveil dans une nation ne viendra pas dans une affaire de toi et ton église. Non, c'est faux. C'est pas toi et ton curé. C'est faux. C'est pas toi et ton pasteur. C'est le corps du Christ qui comprend. C'est pour cela que partout où le réveil doit venir, il y a une grande persécution. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu envoie la persécution comme on a commencé à persécuter les gens pour tuer les Étienne, tuer les gens, tout ça. Les gens avaient peur, ils étaient là, cloîtrés. C'est là que le réveil vient. Mais quand les gens sont oppressés, là, c'est là qu'ils se mettent ensemble. Tant qu'on ne les poursuit pas, ils sont divisés. Hein. C'est pour cela que le réveil ne vient jamais sans des situations où l'église est perturbée et troublée. C'est pour ça que la dernière fois, Dieu donnait la vision pour dire que des leaders seraient inquiétés. Des gens seront persécutés, quelquefois on prend des décisions, des décrets pour dire ne priez plus, les chrétiens on vous réduit, on prend des lois, des choses comme ça. J'avais dit Goliath fait la loi, si David ne fait pas la loi. Donc, le réveil viendra, mais si nous sommes vraiment unis, le réveil ne viendra pas, c'est quand on priera d'un même cœur. C'est là les langues de feu tomberont. Sinon, forêt de Bardat, faut oublier les réveils. Quand le réveil vient, la personne, les yeux sont éveillés. Les yeux s'ouvrent. Ça parle de la vision. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Joël avait donné la prophétie. Il dit, en ces temps qui sont les derniers, nous sommes dans la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, toute chair, toute chair, toute chair, toute chair. Il n'a pas dit certaines. Tout le monde, tous ceux qui sont disposés, il dit toute chair. Il n'a pas dit ceux qui sont instruits. Il n'a pas dit ceux qui sont érudits. Il n'a pas dit les anciens. On n'a pas dit ceux qui sont expérimentés. On n'a pas dit les évangéliques. On n'a pas dit les catholiques. Toute chair. Si quelqu'un est disposé, dans le temps du réveil, Dieu répand l'esprit sur lui. Dieu répand l'esprit sur lui. Vous savez, c'est pour cela qu'il ne faut pas condamner les dons de prophétie. Parce que ça marche avec le réveil. Quand le réveil est en train de venir, c'est don de prophétie. C'est pour ça que la dernière fois, Dieu me montrait cette image d'aigle. Les aigles qui ont quitté le Ghana et qui volaient sur la Côte d'Ivoire. Symbole que Dieu est en train de transférer une grâce prophétique pour venir sur la Côte d'Ivoire. Est en train de faire naître une catégorie de prophètes, une catégorie de voyants, de visionnaires dans l'église catholique et dans l'église protestante. Et partout, Dieu va faire ça quand le réveil viendra. Il ne cherche pas à savoir, il est toute chair.
Il n'a pas dit répandra son esprit sur les catholiques. Il n'a pas dit je répandrai mon esprit sur les évangéliques. Il n'a pas dit je répandrai mon esprit sur les méthodistes, les anglicans et autres. Il dit sur toute chair. Toute chair. Qui est disposée. Si quelqu'un vient à moi. Si la personne, quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. S'il a soif, qu'il vienne. S'il vient maintenant, qu'il boive, s'il croit, des fleuves jailliront. On dit si quelqu'un a soif, est-ce que c'est les catholiques qui ont soif? C'est les protestants qui ont seulement soif? C'est les évangéliques qui ont seulement soif? Les méthodistes, les anglicans ou les orthodoxes qui ont soif? Non, on dit si quelqu'un a soif, quiconque, on n'a pas dit King Kong, on dit quiconque. Quiconque a soif, il vient. S'il boit, j'ai expliqué boire c'est quoi? S'il boit, s'il croit, des fleuves, il passe et alors il transforme les déserts en oasis. Il passe, il transforme la stérilité en fécondité. Il passe et il transforme la pauvreté en richesse. Il passe et il brise les jougs qui faisaient des hommes esclaves, des hommes libres. C'est ça la puissance de l'esprit de la Pentecôte. C'est ça l'esprit du réveil. Il brise la pluie de trucs avec les machins de doctrine, les histoires de lois qui empêchent les gens. On ne peut pas les prêcher, on ne peut pas se parler, on ne peut rien faire à cause de ça. Les gens veulent aller au livre des actes des apôtres. On a quand même dit, le pape François disait ceci, que l'église revienne au temps des actes des apôtres. Oui, c'est vrai, Saint-Père, c'est tellement juste que j'ai acclamé. Mais pour ça, il faut que les gens soient libres d'exercer dans l'église. Il faut que les gens soient libres de prêcher. Il faut qu'on accepte que l'esprit soit libéré. Et qu'on organise les structures pour que les gens annoncent l'évangile. Voilà aussi. Il faut que les gens acceptent de laisser le prophétique se manifester. Parce qu'un prophète, quand on lui ferme la bouche, il ne peut pas parler. L'église a besoin d'être libérée de certains jougs. Pour que la gloire de Dieu se déploie. Sinon, le réveil, c'est pas difficile. Mais quand le réveil vient sur une nation, tu vas trouver des gens comme Ananias et Saphira qui vont vendre leur propriété et venir donner ça au pied des apôtres. C'est ça le réveil, c'est ce que ça fait. Des gens, des autorités, des gens puissants vont donner leur vie à Jésus, vont soutenir l'œuvre de Dieu. Des gens vont venir financer l'œuvre, donner des milliards pour l'évangile. C'est ça aussi le réveil, c'est ce qui fait que l'évangile va aller très loin. Sinon, si on est dans l'agitation, on va s'agiter, on va se souffler, on va se fatiguer. Bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu m'a arrêté là. Le temps est arrivé. On peut en dire long. On dit qu'il y aura des signes. Il y aura des signes dans les airs. Les signes dans les cieux. La lune va se transformer en sang. Le soleil sera de feu. Vous voyez, toutes les choses que nous avons vues. Vous avez vu ça, ceux qui étaient là-bas en 2010 en Côte d'Ivoire. Les gens ont vu des choses. Des bulles qui sont descendues du ciel. Il y a eu des gens qui ont vu les cœurs de Jésus dessinés dans les sorts graines, tout ça, ils ont vu ces gens, les choses ont monté, les signes, tout ça. Ça, c'est des signes de réveil. Des choses bizarres qui se passent au Congo, ces genres de choses. Ces signes qui se passent, des choses extraordinaires qui se passent. Ce sont des signes du réveil. C'est des choses qui montrent que nous sommes dans la saison. C'est des choses qui montrent que nous sommes dans la saison. Des choses extraordinaires qui se produisent, qui montrent que nous sommes dans la saison. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'acteurs du réveil. Nous avons besoin de personnes qui parlent du message de l'unité. Si tu m'écoutes, tu ne sais pas de quelle confession, tu es de quelle doctrine, peu importe. Mais le message de l'unité, là, il faut véhiculer. C'est ça la condition du réveil. Enfin, pas dans le réveil, dans la division. Il y aura des signes en haut, il y aura des signes en bas. Dieu va commencer à manifester sa puissance. Alors nous avons besoin. Je veux prier simplement pour des personnes. Si tu veux être acteur du réveil aujourd'hui, tu veux être acteur du réveil, lève ta main droite. Dis Seigneur, tu peux compter sur moi. Bien aimé, il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne, c'est simplement pour chercher à dire Seigneur, donne-moi, Marie, donne-moi, travail, donne-moi, promotion, donne-moi. Est-ce que tu peux un peu t'abandonner un peu pour penser à Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est ça un fils. La différence entre un fils et un enfant. L'enfant réclame. Maman, bonbon. Papa, bonbon. Papa, maïs. Papa. Mais quelqu'un qui a dit, papa, ton compte qui est là-bas, comment tu gères? Ta maison qui est là-bas, comment tu gères? Ici, comment tu gères? Mais si on fait ça, comment on fait? C'est un fils. Il peut hériter. Dieu compte sur les fils. Laissons l'enfantillage. Ils sont agrandis un peu. Lazare, il était mort. Jésus l'a ressuscité, mais il est mort encore.
L'argent tu vas avoir, ça va disparaître. C'est le service là. Bon et fidèle serviteur. Voici le gouvernement des 10 villes. C'est dans le service bon et fidèle serviteur. Il y a des gens qui refusent de servir. Il y en a qui servent, mais ils ne sont pas des bons serviteurs. Non, ils servent, mais ils ne sont pas fidèles. Quand ça chauffe, ils s'en vont. Je veux des bons et fidèles serviteurs. Tu veux avoir des gouvernements, tu veux t'établir, tu veux régner, élargir ton espace. C'est dans le service. Est-ce que tu peux lever la main droite et dire c'est moi? Je vais prier pour toi. La prière que je vais faire va impacter ta vie. Aujourd'hui, cette prière que je vais faire, si tu servais Dieu déjà, elle va te donner de vivre un feu. Tu seras une braise ardente pour ta nation. Une braise ardente pour cette nation. Une braise ardente pour le Congo. Une braise ardente pour la Côte d'Ivoire. Une braise ardente pour le monde entier. C'est simplement un souffle. C'est simplement un feu sur toi qui va changer ta vie. Écoute, la distance n'est pas importante dans le monde spirituel. Mais pendant que tu me regardes, tu m'écoutes, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Va faire de toi un agent de réveil. Je prie, Seigneur. Je prie que ce souffle les touche. Je souffle sur leur vie maintenant. Recevez au nom de Jésus. Lebo halaba nelebocha. Raketebo nelebocha halaba kiki. Lamande lebrosa. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance. Reçois le feu. Sois impacté et impacte ta génération. Reçois les dons de miracles. Reçois les dons de création. Reçois les dons prophétiques, les dons de vision, les dons de voyance. Reçois toutes sortes de dons, guérison miraculeuse. Reçois les dons de prophétie. Reçois les dons, reçois les caresses, des choses rares, des choses que les gens n'ont pas encore vues, qui n'ont pas encore entendues. Sois impacté au nom de Jésus. Pendant que tu m'entends, la puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. Je prophétise maintenant. Je libère sur ta vie une onction particulière pour changer ta vie, changer ceux qui sont autour de toi. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. La force de l'esprit. La puissance de l'esprit. Va, domine, règne. Agrandis ta tente. Agrandis l'espace de ta tente. Et tente est piquée. Domine dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Si tu crois à cette prière, quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu seras un fruit qui portera beaucoup de fruits. Au nom de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors je voudrais vous inviter à la séance de jeudi. Parce que jeudi prochain, nous allons commencer un séminaire sur Bethel. Un séminaire sur Bethel, Genèse 28. Nous allons parler de la pierre de Bethel. Nous allons parler de beaucoup de choses. Un séminaire très, très, très important. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous, autour de vous. Soyez des agents d'unité, des acteurs de réveil. Commencez à prier pour le réveil. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu le fera certainement. Je voudrais saluer le prophète Geoffroy J. Tu es béni, frère. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Grand homme, sois béni. Je vous invite à vous connecter à son émission aussi. Il fait une émission demain à partir de minuit heure de France. Voilà, minuit heure de France. Ça va chercher dans les 23 heures Côte d'Ivoire. Voilà, vous connectez aussi, prophète Geoffroy J. Sois béni, mon frère. Soyez béni, tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui m'ont écouté. Tous mes fils, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous serons à jeudi prochain, même heure, même fidélité, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.